Aujourd'hui, nous allons rencontrer Larry, peintre professionnel dans le comté de Winchester. Salut, je suis Larry McCoy, peintre professionnel dans le comté de Winchester. Mon père était peintre, mon grand-père était peintre et même mon arrière-grand-père était peintre. Un jour, ce sera au tour de mon fils de le devenir. Larry a pour habitude de travailler seul et lorsqu'il est en difficulté, il n'hésite pas à faire appel à son expérience. J'ai commencé à 8 ans, ça va bientôt faire 40 ans que je fais ce métier. Dans ma famille, on a un savoir-faire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Aujourd'hui, l'intervention de Larry consistera à repeindre ce bidon de produits détergents. Ça peut paraître facile, mais en réalité, il faut savoir choisir la peinture, doser le diluant, faire poncer la pièce, et sans parler de l'application de la peinture. En réalité, tout est dans le poignet. Je suis content, ça avance plutôt bien. Maintenant, je vais pouvoir dégraisser et passer à l'application de la peinture. Ok. Je vais maintenant pouvoir passer à l'application de la peinture. Il me reste plus que 6 heures, il faut vraiment pas que je me rate. Je suis pas tranquille. J'ai l'impression que le pinceau est en train de se fissurer. Ah, le pinceau s'est cassé, bon sang. Ça fait 34 ans que j'utilise ce pinceau et voilà qu'il casse aujourd'hui. C'est vraiment pas de chance. Larry décide donc d'appeler ses fournisseurs pour investir dans un nouveau pinceau. C'est vrai que c'est un sacré budget, mais c'est nécessaire. Oui, allô? Non, mais c'est pas possible! Ah, bon sang! Tous les fournisseurs sont en rupture de stock. Il n'y a plus un seul pinceau dans toute la région. J'aurais dû acheter un kit de réparation pour pinceau, mais c'est un sacré coup. Je vais essayer de le réparer avec du ruban adhésif. Fonctionne pas. Coup dur pour Larry. Larry décide alors de fabriquer un nouveau pinceau à l'aide de branchage. Je vais fabriquer un pinceau grâce à une vieille méthode. Les trappeurs américains l'utilisaient pour peindre avec du sang Yeti. Voilà, le pinceau est terminé. Ça tiendra pas longtemps, mais ça devrait faire l'affaire. Alors que Larry avançait bien, il y a à nouveau confronté à un problème de taille. La peinture est trop diluée, il y a des coulures. En effet, en voulant aller vite, Larry a mis 3 ml de diluant en trop dans sa peinture. Je peux pas me permettre d'ouvrir un nouveau pot de peinture, c'est trop risqué. La seule chose à faire, c'est de passer une deuxième couche de peinture. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ce soir, Larry sait qu'il va devoir rester jusqu'à 22h pour finir la peinture. Dans le prochain épisode... Demain, je suis censé repeindre un porte-avions, mais il faut à tout prix que je répare mon pinceau et le réparateur le plus proche habite en Californie. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Absolument. Garde ton score. Nous, les tueurs score.